Je m'appelle Heiner Müller et je dirige une entreprise familiale, la Zinstädter Hof en Rhénanie en Allemagne. Nous sommes situés à Römerskirchen, entre Aix-la-Chapelle et Cologne. Nous gérons une exploitation agricole spécialisée dans la pomme de terre industrielle pour la production de frites et de chips. Nous cultivons également du blé d'hiver, des betteraves à sucre, du colza et des carottes. Xarvio m'aide à mettre en œuvre les mesures de protection des cultures et de fertilisation de manière ciblée et précise sur toutes mes parcelles et cultures. Lorsque je lance le logiciel, Xarvio me recommande un produit phytosanitaire. Pour le blé d'hiver, par exemple, je sélectionne des produits dans le logiciel et je peux définir des mesures de protection des cultures ou créer des cartes de modulation. Je choisis un produit phytosanitaire pour le traitement des épis, par exemple. J'indique un volume d'eau, un volume de produit et le volume maximum à appliquer et le logiciel m'aide à répartir le produit de manière optimale. Les zones où la culture est la plus dense recevront ainsi plus de produits phytosanitaires que les zones où la densité de culture est plus faible. Les cartes de modulation sont générées sur la base d'images satellites auxquelles j'ai accès. Une fois la carte sélectionnée, je peux ajuster les valeurs si elles ne correspondent pas parfaitement à ma situation. Ces cartes sont enregistrées dans Xarvio et je peux les envoyer vers le terminal de commande via la plateforme AgriRouter. Mon chauffeur peut accéder aux informations de AgriRouter via l'application MyAmaRouter, puis les transférer sur le terminal Amatron 4 par Wi-Fi. La carte de modulation s'affiche alors instantanément sur l'Amatron 4 pour aider le chauffeur dans son travail. Une fois le traitement du champ achevé, le chauffeur peut renvoyer la carte avec les valeurs actualisées vers AgriRouter. Au bureau, je récupère la carte actualisée depuis AgriRouter et l'utilise dans mon fichier de gestion des parcelles.